Good morning, allez, Yiden, les suisses aujourd'hui, le Nishmat, Raïser, Bat Myriam, Charlie, Shalom, Bat Ben Germain, Sarah, ainsi que les refouats, Tolévi, Israël, Nishmat, Ben Raïser, Khamchat Myriam, Bat Roslena, et Ben Ben, Khriba, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude du Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions ma Maseret Héroïne, Perikhe, Mishnah Gimel. Vechen, Shlosha, Kfarim, Ameshu, Lashin. אם יש בין שניים החיצונים 141 ושליש, עשה אמצעי את שלושתן להיות כאחד. Je traduis d'abord, vous n'allez pas comprendre grand chose forcément, mais c'est pas grave. וכן שלושה כפרים המשולשים. Idem si on a trois villages, en hébreu moderne, המשולשים, ça ferait en triangle. En hébreu ancien, ça ne veut pas forcément dire triangle, ça veut plutôt dire qu'ils sont alignés un après l'autre. Mais la Gemara va quand même expliquer que c'est un triangle. D'accord? Donc finalement, on retient trois villages qui sont en forme de triangle, c'est-à-dire qu'ils sont disposés en triangle. Deux en bas et un au-dessus. D'accord? Imiesh ben shnayim achitsonim me'avarbaim ve'echad ushlish. S'il y a entre les deux extrêmes, les deux externes, les deux qui sont extrêmes, 141 amas et un tiers de amas, donc ils font deux fois l'histoire de 70 amas, alors la Mishnah m'enseigne, Asa emtsai et shloshtan liyotan ke'echad. Eh bien, le emtsai, celui du milieu, a fait les trois pour être considéré comme un seul. Bon, il faut reprendre la Mishnah précédente, en fait, pour comprendre de quoi on parle, c'est pas du tout compliqué. À savoir, je pars directement sur la vitre Rachamim de là-bas, qu'on avait vu par Rabbi Meir. On parle du fameux Karpaf, l'espace vide autour de la ville. Soit, autour de la ville, on considère parfois qu'avant de calculer maintenant le Troum de Shabbat, les 2000 amars où tu as le droit de marcher pendant Shabbat, de la ville, dans certaines situations, on va considérer que la limite de la ville, elle ne démarre pas depuis le mur externe de la ville, mais tu vas lui rajouter encore 70 amas supplémentaires, équivalent 35 mètres. Selon Rabbi Meir, dans n'importe quelle ville, tu fais ça. D'abord, tu calcules, tu rajoutes les 70 amas, et puis après, tu commences à calculer les 2000 amas. Chamim ne sont pas d'accord, mais sont d'accord que dans certaines situations, on considère ces 70 amas. Quel était ce cas précis qui était rapporté dans la Mishnah précédente? C'était dans le cas où on avait deux villes, A et B. Et si ces villes, elles sont éloignées, mais elles sont dans un troum, à l'intérieur du troum de 2000 amas de chacune, certes, les habitants de A peuvent partir se promener dans la ville de B, les habitants de B peuvent partir dans la ville de A. Mais les habitants de A ne pourront pas partir dans tout le troum de B. C'est-à-dire que si B il a 2000 amas de l'autre côté, les habitants de A, quand ils vont se promener dans la ville de A, ils ne pourront pas continuer 2000 amas supplémentaires. Parce que les 2000 amas, c'est le troum de B, pas le troum de A. Mais toutefois, on a appris, c'est là où s'intervient le Karpaf, si les deux villes sont tellement rapprochées qu'il y a moins de 141 amas entre les deux, ouais, moins de 141 amas entre les deux. Donc chacun, il a finalement le domaine, le Karpaf, l'espace devant une ville minimale pour respirer et pour pouvoir mettre attacher les chevaux, si on veut. Eh bien, si elles sont espacées à moins de 141 amas, on considère A et B comme une seule grande ville et les habitants de A peuvent profiter même du troum de B et inversement, les habitants de B peuvent profiter du troum de A. On considère tout comme une seule grande ville et on donne 2000 amas à l'extérieur pour tout le monde. Si elles sont espacées, chacun il a ses 2000 amas, ils peuvent se promener chez l'autre, mais ils ne peuvent pas profiter du domaine de l'autre. Et si elles sont espacées de moins de 141 amas, et un tiers, alors dans ce cas-là, tout est considéré comme une grande ville, et tu donnes à chacune 141 amas des deux côtés. Notre Mishnah maintenant va pousser maintenant le grand chidouche. C'est facile à comprendre ce qui est écrit, mais c'est très dur à comprendre la logique, personnellement je ne l'ai pas perçu. J'ai cherché dans beaucoup de livres, et j'ai pas vraiment trouvé quelqu'un qui va m'expliquer franchement pourquoi c'est comme ça. Mais en tout cas, d'abord je vous explique ce qui est écrit. Il écrit qu'imaginez trois villes. On considère qu'il y en a deux à la base et une hauteur. D'accord? Comme dans un triangle, la base et la hauteur. On a deux villes. Une ville, on va les appeler A et C. Parce que B, c'est celle du milieu, d'accord? On a A et C. C'est les deux villes externes. Qui sont espacées même autant que vous voulez. Entre les deux, il y a une ville supplémentaire qui s'appelle B. Mais qui n'est pas alignée avec les trois. Elle se retrouve en fait déplacée. En hauteur. Plus loin, quoi. D'accord? Mais à moins de 2000 amas de chacune. Il s'avère que les habitants de B peuvent se promener à A et peuvent se promener à C. D'accord?
Même si les habitants de Ha, en théorie, ne peuvent pas partir assez, apparemment, parce qu'ils ont plus de 2000 amas entre eux, ils ne peuvent même pas mettre les pieds. Mais les habitants de B, il s'avère qu'eux, ils considèrent que la ville de A et la ville de C, ils peuvent se promener dans les deux villes. Du coup, il y a un très grand chidouche qui va se trouver. Au lieu de considérer, ben on va considérer, on va dans ce cas-là, puisque les habitants de B peuvent partir aussi bien A que dans que AC, on va projeter cette ville comme une projection en projection linéaire, comme ça s'appelait en maths, en géométrie, quand on a pas ça quand on était petit. On va projeter la ville entre les deux et on va la ville B. On la met entre les, on imagine qu'elle est alignée entre les deux. Et si toutefois les extrémités de A et de B sont espacées de moins de 141 amas et les extrémités de B et C sont eux aussi espacées de moins de 141 amas, il s'avère qu'en fait on a maintenant une rangée de trois villes qui sont alignées, qui sont à moins de 141 amas. Et donc dans ce cas on va considérer le tout comme une seule grande ville et on va donner 2000 amas chacun pour tout le côté. Il va s'avérer que les habitants de A peuvent se promener dans B et partir dans C, et même aussi partir plus loin que C, profiter du troum de C, et inversement, les habitants de C vont partir dans B et même dans A. D'accord? Ça, c'est ce qui est écrit. Je refais tout ça dans les mots. Vechen shlosha kfarim ameshulashim. De même, trois villages qui sont en trio, en fait, en triangle, comme ça la Gemara l'explique. Donc, il y en a deux, A et C, et avec B qui est au-dessus, donc. S'il y a entre les deux extrémités, 140 et 1/3, entre les deux extrémités, c'est dur à comprendre là, comment ça se traduit. S'il y a entre les deux extrémités, ben shnaim achitunim, deux externes, 140 et 1/3, 141 amas et un tiers, mais pas entre eux. Là, c'est là le problème. Je ne sais pas comment ça rentre dans les mots de la Gemara. Comment la Gemara fait rentrer ça dans les mots? Asa emtsai et shloshtan yotan echad. En tout cas, celui du milieu, il les a fait qu'ils sont devenus comme un seul. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris, il manque apparemment un mot, le partenaire n'a pas expliqué les mots, comment les traduire. Mais, donc, imiesh ben shnei machetsoni me'avarbeim ve'echad oshif, si alors entre les deux extrémités, une fois qu'on aura projeté le deuxième, selon l'ajout de la Gemara, on aura projeté celui de B du milieu entre les deux villes, il y aura moins de 141 amas qui va les séparer. Alors, dans ce cas-là, celui du celui du milieu, il l'a fait que Etchloshtan, il a fait que les trois, ils sont considérés comme un. Je vous fais avec vous le Tiferet Israël, peut-être qu'il va m'aider un peu plus le partenaire. Il est long, il explique, mais j'ai pas vu qu'il a bien expliqué les mots. Je regarde avec vous le Tiferet Israël si c'est mieux expliqué. Otselomar. Et ilou ayu machnisin kfar echad ben kfar bet kfar aleph ben kfar bet vegimel. Lui considère que c'est pas le B qui est au milieu, c'est le aleph. Il y a aleph qui est bet et gimel, d'accord? Et ilu ayu machnisim kfar aleph ben kfar bet vegimel. Si on mettait le kfar aleph entre le bet et le gimel, hayu kuf mem ama ve shne tfachim ve mechad la sheni, il y aurait eu 141 ama et 2 et un tiers d'entre le aleph et le bet, et 131 ama et un tiers entre le bet et le gimel, rochav kfar echad, en plus, milevad rochav kfar aleph beatsmo. En plus de la largeur du kfar aleph, le kfar qu'on a projeté au milieu, lui, il peut faire la largeur que vous voulez. Il n'a pas rajouté plus. J'ai toujours le même problème, comment comprendre les mots, quoi. Et on a un problème à comprendre les mots de la Mishnah, on a un problème à comprendre la logique aussi. Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire, pourquoi... Quel sens ça a? Étant donné que finalement... Quoi? Parce que finalement, comme ça rapporté dans le... J'ai vu dans le Mishnah Berurah, Siman Shin Tzadik Tet, je crois. Shin Tzadik Tet, Seif Chet, si je ne me trompe pas, c'était la source. Ça rapporté là-bas, vous allez regarder aussi, peut-être que vous comprendrez mieux que moi. Et on rapporte comme raison, parce que les habitants du kfar du milieu, ils peuvent partir dans l'un ou comme dans l'autre, et donc on considère que tout est considéré comme un seul grand kfar, comme un seul grand village. Seulement, il y a plein de questions à l'Afrique, c'est pas exact, on ne les considère pas comme un. Les habitants de A, en théorie, ils peuvent pas partir. Ils sont limités quand ils vont entrer dans le village A. Pas dans tous les cas, ils peuvent marcher toute la largeur de A. Bon, on a traduit la Mishnah, on a expliqué ce qui a été dit, puis Hachem Yazor, Bezrat Hachem, on vivra encore longtemps pour comprendre encore mieux la Torah. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.